Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, c'est l'émission qui vous entraîne aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et le quotidien, si vous êtes un bobo, c'est forcément le ukulélé. Vous avez tous essayé de jouer un jour de ce petit instrument, cette guitare miniature. Mais d'où ça vient, David Castello-Lopez? Oui, le ukulélé, ça fait partie des instruments dont le niveau de cool a connu des hauts vertigineux et des bas complètement abyssaux. Une sorte de montagne russe du cool. Ça a d'abord été un des instruments les plus cool du monde avant de devenir l'un des instruments les plus ringards du monde, puis de redevenir l'un des instruments les plus cool du monde dans un comeback incroyable entamé il y a un peu moins de 15 ans. Alors j'en ai apporté un ici, un ukulélé. De belle facture. Voilà. C'est vrai que, comme on le voit, on se dit que c'est peut-être l'instrument qui fait le moins peur du monde. Vous voyez, c'est après le triangle peut-être, c'est quatre pauvres cordes en plastique, un corps tout menu, on dirait un jouet. Et la vérité, c'est que c'est un petit peu un jouet, en tout cas si on le compare à d'autres instruments dont la palette est plus complète, hein, comme la guitare, le piano et même le saxophone, je pense que c'est un instrument supérieur. Ah oui, ça je vous le confirme, ouais. Volontiers. Quelle évidence. Voilà, le ukulélé, c'est une copie presque conforme d'une petite guitare inventée par le plus grand peuple du monde, les Portugais. Ah, voilà. En portugais, cette petite guitare s'appelle la breguinha. Et la breguinha, c'était en particulier un instrument traditionnel de l'île de Madère, connu pour ses vins et pour Cristiano Ronaldo. En 1879, il y a un immigré portugais qui s'appelait João Fernandes, qui est parti de Madère et qui est arrivé à Hawaï avec sa breguinha. Et visiblement, c'était un virtuose de la breguinha, au point que les populations locales d'Hawaï ont été complètement fascinées par son jeu. Et ils ont rebaptisé son instrument ukulélé, qui veut dire en langue locale « puce qui saute ». Parce qu'il y a une espèce d'ambiance un peu sautillante dans la façon dont João Fernandes jouait de son, de sa breguinha. C'est magnifique, cet accent. Le roi de Hawaï, à ce moment-là, qui s'appelait Kalakaua, il a appris à en jouer. Et une vingtaine d'années plus tard, au début du XXe siècle, le ukulélé était partout dans l'archipel d'Hawaï. Or, ce début du XXe siècle, c'est aussi le moment où les Américains ont annexé Hawaï et sont devenus dans la foulée un petit peu fan, du folklore local hawaïen, folklore qu'ils se sont approprié, comme ils savent faire. Et l'une des choses qui se sont appropriées, eh bien, c'est le ukulélé. Dès les années 20, on trouvait plein de ukulélés pas chers en vente aux États-Unis. Tout le monde s'y est mis. Et en gros, ça a duré une quarantaine d'années de succès. Elvis Presley a fait des tubes au ukulélé, par exemple. Et puis, brusquement, dans les années 60, le ukulélé a été ringardisé. Non. Ringardisé immédiatement, au point qu'un journaliste américain de The Atlantic a appelé ça le ukepocalypse. Oh voilà, non. L'apocalypse de ukulélé. Alors, ringardisé par quoi? Eh bien, ringardisé par la guitare électrique qui est devenue l'instrument cool par excellence, énergique et puissant, celui des rockers, celui des Beatles. Et c'est vrai que comparé à une Les Paul, un ukulélé, même joli, ça fait pas le poids. Donc, traversée du désert ukulélesque. Le ukulélé, je me souviens très bien que pendant une grande partie de ma jeunesse, c'était encore un truc de niche chelou, un peu comme la mandoline ou le luth. Et puis, comme je l'ai dit souvent, j'ai vécu un moment aux États-Unis, à côté de San Francisco, et j'avais pour coloc le premier hipster que j'ai connu de ma vie. Et la copine de ce hipster, qui s'appelait Annie, elle était hipster aussi, tendance un petit peu hippie, et c'était une joueuse de ukulélé. Et je n'ai découvert que plus tard qu'en réalité, elle n'était pas en retard, mais en avance. C'était une pionnière du revival ukulélesque qui a saisi d'abord le monde du hipsterisme, puis le monde entier. Ce revival, il a été aidé de façon très explosive par YouTube, où il y a eu des vidéos super virales, des tutoriels pour le monde. On se souvient de la fameuse reprise de Over the Rainbow par un monsieur hawaïen qui était décédé même avant son succès sur YouTube. Fort, il est décédé ça, en 1997. Le succès, il date, de milieu des années 2000. Et voilà. 1,2 milliard de vues sur YouTube, quand même. Oh, c'est pas mal. C'est plus que je possède. C'est sensiblement plus que je possède d'études. Alors, pourquoi cette ressucée du ukulélé? Julien Doré.
aussi. Sans doute, alors ça pour la France, mais je pense que ça fait partie d'un petit mouvement de retour à l'authenticité, vous voyez, à des sons plus naturels et moins travaillés, tout ça parallèlement bien sûr à une plastification du son avec l'autotune et compagnie, mais il y a cet autre mouvement qui va à côté, et puis il faut quand même dire que le ukulélé c'est plus facile que la guitare, hein. On peut apprendre quelques accords très vite, les cordes ne font pas mal aux doigts, moi j'en avais pratiquement... C'est moins lourd aussi. C'est beaucoup moins lourd, beaucoup plus transportable, j'avais pratiquement jamais joué de ma vie à part quelques minutes avec la copine de mon coloc en 2008, mais du coup j'ai acheté, comme je l'ai montré là, un ukulélé pour cette chronique, mais le problème c'est qu'il était un peu trop bon marché, je pense qu'il a coûté 12 euros, vous voyez, à 12 euros, et oui, c'est il bon est marché. Un peu défectueux dans le sens où il est inaccordable, vous voyez, quand je fais un accord comme ça, ça sonne un peu faux, vous voyez, c'est pas terrible. Vous avez quand même joué quelque chose. Moi je peux jouer Joyeux Anniversaire. D'accord. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous chantez plus que vous ne jouez. Joyeux anniversaire Olivier Pouls, parce que son anniversaire était le plus 1, c'était au mois de mars. Joyeux anniversaire. J'ai raté mon dernier accord. Magnifique, magnifique, mais surtout que cette notion d'anniversaire pour un anniversaire qui était en mars. Exactement. C'est vraiment, c'est vraiment, j'ai adapté. Tout était désaccordé, quoi. J'ai juste pris la chanson la plus facile à faire et à apprendre rapidement. Vous sortez un album sans doute pas avec un ukulélé. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.